Bonjour tout le monde, donc aujourd'hui je vous tourne une nouvelle vidéo et comme vous avez pu voir dans le titre, c'est mes achats que j'ai fait à la vente Annabelle Marcel. Donc ça fait un peu bizarre deux vidéos de suite d'Annabelle Marcel, mais bon, c'est la vie, c'est comme ça. Aussi en ce moment, je suis en train de filmer, on est samedi le 14, puis je sais pas où qu'on va en être rendu mercredi prochain, mais j'espère que toutes les gens... Tous les gens qui habitent en France ou dans ce coin-là en Europe sont corrects. J'espère que votre famille est correcte, que vous êtes correct, que vos amis le sont. Je trouve ça idiot que des attentats ça arrive. Fait que... Oh boy. Ça, je trouve ça juste idiot que ça arrive. Ça devrait même pas arriver. On devrait avoir un monde en paix, ok? Mais il y a des gens qui sont cons puis qui font des attentats. Fait que j'ai vraiment de la misère à m'exprimer, ok? Je suis pas une personne qui sait comment s'exprimer. Fait que, genre, je veux juste que vous soyez tout en sûreté. C'est ça. Je sais pas où qu'on va en être rendu mercredi, mais j'espère juste que vous êtes toutes correctes. Ok, c'est ça. En tout cas, on va commencer tout de suite, puis c'est ça. Donc, premièrement, on va commencer par les choses que ma mère allait acheter parce que c'est moins important. Fait que c'est ça. Donc, elle, ça y a coûté... $41.39. Donc, c'est ça. En tout cas, c'est ça. On va commencer. Donc, premièrement... Elle a acheté, dans le fond, 4 soins. Donc, 2 crèmes hydratantes, puis 2 crèmes pour la nuit. Donc, 2 pour elle. Ben, une crème de nuit pour elle, puis une crème de jour pour elle, puis l'autre kit pour ma soeur. Puis, parce que c'est ma soeur. Ben, ma mère, elle utilisait déjà ces crèmes-là. Puis là, ma soeur, elle a commencé à les utiliser. Fait que là, moi, je les ai achetées pour savoir s'ils étaient bonnes. Et si c'est juste bon à utiliser. Ensuite, elle a acheté 2 paquets de coton comme ça. En passant, les crèmes, c'était 3$ chacun. Ça, c'était 2,50. Non, 1$, je pense. En tout cas, c'est ces petits cotons-là que moi, j'aime vraiment pas, mais elle les aime full, fait que c'est ça. Ensuite, elle s'est acheté un correcteur CC, comme ça. Lui, il était 7$. C'était la chose la plus chère qu'on a acheté tout ensemble. Donc, c'est ça. Ça, c'est dans la couleur médium à foncer. Donc, c'est ça. Ensuite, elle s'est acheté 2 mascaras waterproof. C'est le Big Show. Ensuite, elle s'est acheté un crayon comme ça. Smudge liner. Tu sais, il y a une petite éponge. Hein, dans la couleur électrique saphir. Donc, c'est ça. Parce que ma mère, elle aime bien le bleu. Fait que... Ça. Ensuite, elle s'est acheté un eyeliner dans la couleur marine, donc encore un bleu. Puis elle veut se pratiquer à faire du eyeliner, mais elle s'en met jamais. Ensuite, elle s'est acheté un feutre à sourcils foncé universel. Donc, c'est ça. Et 2 choses pour les lèvres. Donc, premièrement, c'est un twist-up. Donc, c'est Nude Fame. Je vais pas les ouvrir pour faire des swatches parce que c'est en noir, tu sais. Puis, celle-là, un rouge à lèvres. Rouge expression dans la couleur 802 délice. Okay, comme ça. Puis la couleur, c'est ça. C'est tout ce qu'elle a acheté. Et ensuite, pour moi, là, je pourrais vous faire des swatchs. Et moi, ça m'a coûté 30,47. Donc, encore une fois, j'ai acheté les 2 crèmes, donc je vais vous les montrer parce que je peux les ouvrir, là, vu qu'ils sont à moi. Donc, c'est des 30 ml, puis ça, c'est une crème hydratante. Puis, il était 3$, comme je l'ai dit tantôt. Donc, ça, c'est la crème hydratante. Et la crème de nuit. Ah, puis c'était pour tout type de peau, donc peu importe le type de peau que vous avez, vous pouvez l'utiliser. Et la crème de nuit ressemble à ça, donc elle est un peu rose. Là, vous voyez vraiment rien, vous la voyez comme orange mais rose. Ok, c'est ça. Ensuite, j'ai acheté un nettoyant comme ça, bébé de Marcel. Il était 3$, encore une fois.
Ensuite, le reste, c'est des produits maquillage. Puis, tous les produits maquillage, ils sont 2,50. Ben, je pense. La plupart, ils coûtent 2,50. Donc, j'ai acheté tout ça. J'ai vraiment moins acheté que l'an passé. L'année passée, ça m'avait quand même coûté assez cher. Mais là, parce que tu commences à faire le tour un moment donné de les produits. Puis, il y a vraiment beaucoup de gens. Fait que ça gosse des fois. Fait que j'ai acheté deux gloss comme ça que j'ai utilisé un dans mon dernier, là, tu sais, les... Je vais vous montrer, là. Celui-là que je l'aime vraiment beaucoup comme gloss. Fait que là, c'est la même marque, mais celui-là, c'est un crème. Celui-là, c'est pas des crèmes, mais je les ai pas trouvés. Donc, Luxe Gloss, puis lui, c'est dans la couleur Mousseline 60. Donc, c'est lui que je porte sur les lèvres en ce moment. Et celui-là, c'est le 43 Chiquita. Ok, c'est ça. Donc, j'ai bien hâte de les porter. Ben, j'en porte déjà un, en tout cas, c'est ça. Ensuite, deux autres produits pour les lèvres, c'est deux twist-up. Parce que j'ai jamais eu des twist-up. Puis, ça me tentait vraiment de les essayer. Fait que j'ai pris le Maytai. Je sais pas trop comment dire ça. Puis, c'est un genre de orangé rouge. Fait que pour l'été, ça va être vraiment beau. Et le deuxième, c'est Berry, puis je me suis dit que pour en ce moment, là, l'automne, ça serait vraiment beau. Donc, c'est ça. Et ensuite, j'ai pris deux mascaras. Donc, j'ai pris le mascara Ultimate Lash, que j'avais jamais vu. Et c'est de Marcel, je l'ai pris dans la couleur noire. Je l'avais jamais vu en magasin, ou l'année passée, je l'avais pas vu. Peut-être qu'il était comme pas en stock, ou peut-être qu'il est nouveau, je sais pas. Puis ça dit mascara épaississant et allongeant, donc j'ai bien hâte de l'essayer. Et le deuxième que j'ai pris, c'est le Big Show de Annabelle, parce que je me rappelle, dans les débuts de ma chaîne, ce qui veut dire environ un an et demi, presque 2 ans, oh my god! je pense que je l'aimais vraiment beaucoup, parce que j'utilisais dans comme toutes mes vidéos que j'utilisais du mascara. Fait que j'ai décidé de le réacheter. Mais dans le fond, c'était pas moi qui me l'avais acheté au début, c'était ma mère. Donc c'est ça, je l'ai racheté pour regarder s'il va bien. Ok, c'est ça. Donc c'est ça, c'est tout ce que j'ai acheté, c'est tout ce que ma maman allait acheter. Donc j'espère que vous avez aimé cette vidéo et on se retrouve dans ma prochaine vidéo. Bye tout le monde!